Bonjour à tous et bienvenue sur votre club de sport à domicile qui est Gym Direct. Bienvenue à tous, je suis Mohamed. Aujourd'hui, on va s'occuper des fessiers. Plein de petits exercices, vous allez voir, qui vont sculpter, galber vos fesses, j'en suis sûr. Pour m'accompagner aujourd'hui, Florence. Salut Florence, ça va? Tout le monde est en forme, moi aussi. À la maison, vous l'êtes, on commence à se chauffer au sol. Venez vous mettre à genoux avec nous. Alors tout simplement, tendez votre jambe droite loin derrière. On va commencer très basique, vous allez voir. Hein. Tendez-la, serrez votre fesse et faites-moi un petit mouvement en haut, tout petit. Seulement ça, regardez vers le sol. Vos bras bien en pilier. Voilà. Gentil mouvement, tranquillement. Et petit à petit, donnez un peu plus de mouvement maintenant. En haut. Inspirez, expirez normalement. Ne relâchez pas le ventre. Toute petite. Continuez. La même chose, un peu plus haute. Sans accentuer votre cambrure, d'accord? Rentrez le nombril. Poussez. Pareil. Hop. On continue toujours la même jambe. Il faut que ça chauffe un peu plus. Inspirez, expirez normalement. Voilà, travaillez votre grand fessier. Faites ça encore trois fois. Une, deux, trois. Posez, tendez l'autre. Petite. Pas aussi grande que les précédentes pour commencer. Gentiment. Gardez la pointe flex. Nombril à l'intérieur, aspirez-le. Les bras en pilier droit. Les mains sous les épaules. Un peu plus haut maintenant. N'arquez pas le corps, restez le plus plat possible. Ressentez la fesse qui se contracte à chaque fois. Un peu plus haut. Serrez un peu plus. Faites-moi les toutes dernières. Accentuez, serrez la fesse. Hop. Ressentez le travail un peu plus difficile maintenant sur la fin de l'échauffement. Bien, posez de l'autre côté, jambe droite sur le côté. Un, et elle revient doucement. Une, ouvrez. Un, essayez de monter le genou à hauteur de fesse. Montez à hauteur de fesse. Hop. De l'autre côté tout de suite. Montez. Ramenez, ouvrez votre hanche, sans vriller le haut du corps, laissez le haut du corps en face du sol. Une, et hop, même chose. Très bien, de l'autre côté, mais cette fois-ci en petit, c'est parti. Hop. Inspirez, expirez normalement. Trois autres, une, deux, trois, posez de l'autre côté, petit, hop. Hop, on monte un peu plus. Même si c'est des petits, montez-les encore un peu plus. Allez, 7 répétitions. 2, 3. Très bien. Posez. Levez les fessiers. Tendez les jambes. Poussez la tête vers le sol. Levez les fesses. Formez un triangle. Chien tête en bas. Poussez un peu plus. Et relâchez. Cet échauffement court est terminé, on passe au vrai renforcement maintenant. On y va les amis, les mains une nouvelle fois, sous les épaules, tendez la jambe, fléchis, tendu. Normalement vous allez ressentir aussi l'arrière de la cuisse, poussez, ramenez. Laissez-la fléchir, petit mouvement en l'air, tout petit, hop. Hop, serrez la fesse, serrez. Sur cet exercice, quelquefois des personnes ressentent une crampe sur l'arrière de la cuisse. Si c'est le cas, vous tendez immédiatement la jambe, ok? Poussez un peu plus. Une. Ça peut nous arriver, nous, ici. Aussi. Encore. Poussez. Très bien, vous vous rappelez le genou sur le côté avec la même jambe. Le genou sur le côté. Petit, on ouvre, on ferme.
un peu plus. Bien. Est-ce qu'on peut lever encore un peu? En haut, en haut. Chop. Faites-moi les 7 dernières. Bien. Toujours avec la même jambe. Croisez-la derrière. Levez en diagonale. Revenez. Diagonale. Revenez. Hop. On la croise sur l'autre et elle part en diagonale. On croise, on lève. On croise, on lève. Boum. Un peu plus maintenant. Une. Et je reviens. Et je reviens. Bien, bien, bien. Même chose. Très bien. La jambe reste tendue derrière. L'exercice de l'échauffement, petite. On n'a pas changé de jambe depuis tout à l'heure. Ne relâchez pas les abdos. Ne cambrez pas. Poussez, poussez. Point de flex. Montez un peu plus. Boum. Là, vous devez ressentir la fesse normalement. Faites-moi les dernières. Trois fois seulement. Deux et trois. Posez. Tendez l'autre. Flexion, extension. Fléchi. Tendu. 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 Boum. Ok. Restez fléchi. Petit mouvement en haut. Wow. Wow. Allez. Exercice simple, mais efficace. Montez. Une. Une. Et un peu plus. Hop. Hop. Il m'en manque encore un tout petit peu sur celui-ci. Chop. Chop. Bientôt les petites sur les côtés avec le genou fléchi. Quatre autres. Quatre. 3, gardez le tempo, genoux sur le côté. 1, ouvrez. Gardez les épaules en face. Ne vous vrillez pas, restez en face, d'accord? Hop, ouvrez, ouvrez. On est pas mal, mais on peut mieux faire. Plus haut. Moi ça. Allez, allez. Oui. La jambe va se tendre derrière, on croise l'autre, et une, et on revient, croiser, pousser sur la diagonale, une, on étire, on contracte, on étire, on contracte, et un peu plus maintenant, une, hop, pousser, hop, même chose, gardez bien vos appuis forts avec les mains, avec le genou. Restez tendu derrière, petite. Bien, bien, bien. Inspire, expire. Boum. Ne relâchez pas, ne relâchez pas. Au contraire, montez un peu plus. Soufflez, soufflez. Bien. Il m'en manque un tout petit peu. On travaillera avec la même jambe encore. Hein. Il reste encore un exercice. Vous allez voir. On va commencer une nouvelle série, mais avec cette jambe. Posez, coup de pied latéral. Une, revenez à votre place. Toujours avec la même jambe. Hein. Poussez, ramenez. À hauteur de fesse et ramenez. Hop. Hop. Poussez un peu plus maintenant. C'est parti. 1. Envoyez, ramenez. On arme, on tire. Boum. Bien. Là, ça commence à être difficile. Mais ce n'est pas fini. Même exo, même exo. 1. Continuez. Proprement. Poussez. Même chose. Ce n'est pas fini. Toujours le même exo. Continuez. Balade. Continue. Boum. Allez. 4.
3 avant l'autre jambe. 2. Ok, changez. 1. Vous devez ressentir le côté de la fesse. Si l'appui des mains vous fait mal, passez sur les avant-bras, ok? Vous avez le droit. Vous pouvez faire ce mouvement avec les avant-bras. 1. Boum. Poussez un peu plus maintenant. Allez, vérifiez que le pied est à hauteur de fesse sur l'extension. Continuez. 1. Poussez, poussez. 1. Voilà. Ce n'est pas fini. Ajoutez les 8 pour finir. 8 fois. 8. 7. 6. 5. 4 avant de se mettre chien tête en bas. Vous vous rappelez la position de yoga? Ok. Ce qu'on a fait tout à l'heure à la fin de l'échauffement. Tendez les jambes. Poussez les fesses en l'air. Très bien. Maintenant, je vous demande de les fléchir les jambes. Et votre jambe droite, celle qui vient de finir de travailler, va faire coup de pied en l'air et elle revient à côté de l'autre fléchie. En haut et elle revient. En haut. Et poussez. Poussez. Encore. Bam. Loin. Loin. Restez bien en appui sur l'autre. Continuez. Bam. Allez. Coup de pied en l'air vers le plafond, les amis. Bam. Serrez. Ramenez, serrez, ramenez. Plus maintenant. Encore une. Et on change de jambe. Poussez. Boum. Loin. Chop. Plus tendu maintenant. Une. Vous pouvez les gagner, les petits centimètres qui manquent. Allez-y. Un. Allez, 8 fois. Chop. 4 autres. 3. 2. On pose les genoux, la même jambe, petit genou côté. 1. 1. Voilà, non-stop. Montez, montez. Vous les ressentez les fessiers? Vous voulez les sentir un peu plus? Restez en l'air. Coup de pied. Bam, bam. Tout, tout, tout. Oui, c'est normal que vous ressentiez aussi l'autre fesse. Revenez sur les petits genoux. Petits genoux, genoux. Montez, montez. Voulez-vous les fesses sculptées, toniques, dynamiques? Alors, venez un peu plus. Coup de pied. Poussez. Allez. Faites-moi les 8 autres. 8 avant de changer de jambe. 4 fois. 4, 3, 2, on change. Petit. Tac, boum. Tac, boum. Ça va, Florence? Oui? Ok, à la maison, ça va aussi. Suivez-nous. Montez. Parfait. Si Florence suit, vous suivez aussi. Coup de pied. Boum, pam, boum, pam. Allez, allez. Allez, oui, il me faut un deuxième petit tour pour les genoux maintenant. Côté. On vient, on prend. Et on ne rend rien, on monte. Tout pour nous. Prêt pour les coups de pied? Latéraux. Tac, boum, tac, boum. Là, ça devient lourd. Laissez le genou en l'air, ne le ramenez pas à côté de l'autre. Laissez le genou en l'air. 8, 7, 6, 4, 3. Chien tête en bas, j'ai entendu. Poussez les fesses vers l'arrière, rapidos. Posez les genoux, mettez-vous sur le côté. Allongez-vous. La jambe du dessus, tendue, celle du dessous, fléchie. La pointe, rentrez. Bloquez, restez. On tient. Vous n'êtes pas vraiment à l'horizontale, d'accord? Vous êtes ouvert avec votre jambe. Et vous avez le pied rentré. Petite, en haut. Tout petite. Là, je veux des micros. Voilà. Et maintenant, je veux que votre jambe qui bouge va légèrement vers l'arrière.
Parfait, le buste penché légèrement vers l'avant. Montez. Bien, 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 bien. Encore. Parfait, maintenant je veux que cette jambe avance un peu devant vous, petite. Allez. Continuez. Hop, hop. Pareil. Allez chercher un peu plus, mais toujours dans la même direction, légèrement en avant. Vous êtes toujours avec la même jambe, on n'a pas changé. Très bien, tendez. Ramenez en deux temps devant. Une, deux. Voilà, formez un angle de 90 avec le haut du corps et la jambe. Et ramenez. Une, deux. Pareil. Un, deux. Toujours même tempo, ne changez pas. Parfait. Dépassez la ligne lorsque vous allez derrière. Dépassez la ligne. Hop, hop. Et là, vous dépassez un peu. Une, deux. Même chose. Hop, hop. Point de flex, point de flex. Plus. Une, deux. Bien. Continuez, ce n'est pas fini. Une, deux. Un, deux. Ramenez un peu plus vers vous maintenant. Une, deux. Parfait. Restez derrière. Petit en haut. Serrez. Rentrez la pointe. Travaillez un peu plus maintenant. Montez au-delà de 45 degrés. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Voilà, basculez légèrement le buste vers l'avant. Continuez, continuez. Le challenge arrive, les amis. Bloquez 2 secondes. Ramenez la jambe en avant. Fléchissez, coup de pied vers nous. Une. Poussez, poussez. Levez, levez. On termine, gentiment, gentiment. Et relâchez. On passe de l'autre côté. Allongez-vous. Rentrez la pointe. Commencez petit mouvement. Allez. On fait exactement la même chose. Levez. Parfait. Contrôlez, regardez si votre pointe est à l'intérieur, votre jambe est tendue. Continuez. Pas mal. Est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu plus? Hop, hop. Allez. La même, la même, la même, la même, la même. Un peu plus. Pam, pam. Ça chauffe plus rapidement que l'autre normalement. Plus. On commence à avoir du mal. C'est bon signe. Plus. On termine. Levez. Les toutes dernières. Allez, allez. Oui, basculez légèrement vers l'arrière maintenant votre jambe. Voilà. Et comme tout à l'heure, maintenant un peu plus vers l'avant. On y va. En haut, en haut. Vous la sentez la différence? Plus, plus. Gardez notre rythme. Ne vous aidez pas de la main pour soutenir votre jambe, hein. Toute seule, montez, montez. On fait les dernières. Très bien. Revenez, le mouvement, deux et deux, devant. Une, deux, et je reviens. Une, deux. Passez jambes tendues vers vous, hein, 90 degrés vers vous. Et on revient, même chose. Un,
2. Ne changez pas le rythme, gardez la même. 1, 2. Boum. Allez, même chose. Bien. Est-ce que vous pouvez accentuer l'arrivée vers vous? 1, 2. Hop, hop. Est-ce que vous pouvez maintenant accentuer l'arrivée derrière pour serrer cette partie? Continuez. 1, 2. Il nous reste même pas 1 minute 15 de cours. Bien. Allez, 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 allez. Et on revient. Hop, hop. Même chose. 1, 2. Vous êtes prêts à rester? Ramenez. Petit mouvement en haut. Hop, hop. On va terminer. Rappelez-vous, comme tout à l'heure, on avait dit un peu plus haut, 45. Bien. Le dernier petit challenge. Coup de pied, fléchi. Pouce tendu, pouce. Hop. Et un peu plus maintenant. Boum, boum. Les toutes dernières. Relâchez. Passez sur le dos. Levez les fessiers. Posez les pieds à plat. Restez. Jambes fléchies. Ramenez point de talon. Levez la jambe droite fléchie. Faites-moi petit mouvement. On termine. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Poussez. Hop. Changez de jambe. Voilà. Allez. Gentil pour finir. On va pas chercher compliqué. Hop. Hop. Et faites-moi juste 4 mouvements. 4, 3, 2. Relâchez complètement. Attrapez les genoux. Tirez fermement. Et décontractez. Restez dans cette position parce que maintenant, c'est les étirements. Allez, fléchissez la cheville sur le genou gauche. Vous allez rapidement ressentir la fesse droite qui s'étire. Ramenez le genou vers vous. Tirez. Profitez. On a 2 petites minutes. Si jamais les étirements ne suffisent pas pour vous, n'hésitez pas à la fin du programme de continuer un petit peu. Relâchez, décroisez, posez, changez. Attrapez les genoux, basculez vers l'avant, passez sur les genoux, arrondissez tout de suite. Et immédiatement, déroulez-vous, venez avec nous. Enroulez les épaules, croisez, grandissez, ouvrez tout de suite, recommencez, montez. Restez. Descendez, lâchez la tête, lâchez les bras. Descendez bien bas, s'il vous plaît. Allez sur la droite. Sur le côté gauche. Revenez sur le milieu. Fléchissez, déroulez-vous une nouvelle fois. Enroulez, allez chercher loin derrière avec les bras, les mains, les pouces. Poussez maintenant les paumes de main vers l'arrière. Enroulez vos épaules. Descendez une dernière fois avec nous. Lâchez tout. Essayez de ressentir l'arrière des cuisses, le bas du dos.
Fléchissez, déroulez, enroulez vos épaules, bougez à droite, bougez à gauche, ouvrez tranquillement et relâchez vos jambes. Voilà, votre cours spécial fessier est terminé. Et j'en profite sur cette belle chanson d'amour pour vous dire eh bien, que je vous aime tous, vous les milliers, que dis-je, les millions de téléspectateurs qui nous regardez chaque matin. Ne lâchez rien, restez avec nous chaque matin, faites du sport. Minimum 30 minutes, ça suffira. Si vous voulez participer comme Florence à l'émission, c'est très simple, elle a écrit à gym@canalplus.fr et elle est venue ensuite nous voir pour revoir cette émission D8.tv. Et pour les conseils de nutrition, parce qu'il en faut quelquefois, mangezbouger.fr. Merci à tous, faites du sport, restez forts.